Le conardovirus, le colaro, le cocorido, non merde, le Covid-19 est une maladie contagieuse. C'est-à-dire que quand vous l'avez, vous pouvez la donner. Enfin, la donner. Le mieux, c'est de la garder. Mais quand vous l'avez, faut vous laver. Mais même quand vous l'avez pas, il faut se laver. Enfin, pour être plus clair, si vous l'avez ou si vous l'avez pas, faut se laver. Ça, c'est pour les mains. Surtout les mains. On les lave, oui, mais on ne les serre pas. Pour se dire bonjour ou au revoir, on se le dit avec la bouche. Mais on ne se baisse pas. Enfin, si, on peut, mais pas de bisous. Des gestes simples, donc, on se lave les mains, pas de bisous, on tousse dans les couilles, dans les coudes. Quoique, bon, si on est très souple, c'est possible aussi. Faut juste faire attention aux dents. Découchoir à mouchoirs uniques, de la lotion hydraulique, du savon, des torchons, un suppôt et au pot, un suppôt et au lit. Et tout finira par tousser et rentrer dans l'ordre. Alors, pour les personnes qui travaillent dans des open space, il n'y a aucune raison de pique-niquer. Il faut aérer, on ouvre les fenêtres, changer d'air en évitant de prendre froid, ce serait ballot. Alors, attention, si on se sent fébrile, on mousse, on touche, on a de la fièvre, et ben dans ce cas, on évite surtout de lécher les gens fragiles, d'aller chez les gens fragiles. On reste conifié, confiné, et on appelle le 15. On évite les après-midi au hammam, les soirées mousse et les clubs échangistes, enfin, confinés quoi. Pour les personnes qui vivent dans des chipsters, des clusters, enfin, des Kinder, je sais plus. Bref, si vous le pouvez, on vous recommande le télétravail, même si vous n'avez pas la télé. Oui, j'oubliais, très impotrant. Attention aux fake news. Sur Twitter, sur Fakeboos, Waspat, Amstramgram et en général sur tous les réseaux médias, on peut lire tout et n'importe quoi. Ça, je peux vous le dire, hein, y a armoire et à venger. Je vous conseille d'aller plutôt sur le site du Finistère, c'est plus prudent et c'est bien plus clair. Pour les masques, je rappelle aussi priorité au personnel hospitalier, au centre de foin, enfin bref, au toubib. Pour conclure, moi je tiens surtout à vous resserrer. Il faut garder son François, son sang-froid. Tout est fou son trône, nos épiques sont sur le con. Et nous faisons tout ce qui est en notre couvoir, notre couloir. Enfin bref, on fait ce qu'on peut. Voilà.
Cookie.